Donc il y a quelques plantes aquatiques, mais beaucoup de vases. Et beaucoup de déchets aussi. On voit là un groupe d'alevins de Gambusia urtada. Je vais essayer de zoomer. C'est pas évident avec le soleil. Je sais pas si on voit quelque chose là. Peut-être. Hein. Oh, c'est pas la peine. Ouais. Donc j'ai trouvé aussi des cyprinodons. Hein. Ils sont super. Alors voilà, là j'ai donné un coup d'épuisette et on peut voir le résultat d'un seul coup d'épuisette. Hein. Je sais pas si on voit. Donc, on n'a pas de cyprinodon là. Là donc, Gambusia urtadoi. Ça ressemble à Gambusia alvarezi. Hein. Mais bon, il y a quelques différences dans la structure du gonopode. C'est superbe. Hein. Je le remets à l'eau. Bon, faut dire que moi j'ai fini ma pêche. J'ai tout emballé dans deux sacs. Là on peut voir les cyprinodons. Les mâles sont bleutés aussi. Les femelles marbrées. On les voit là. Je sais pas si. C'est pas génial. On va les prendre en photo ce soir. On va essayer d'en. Je vais essayer d'en attraper. Et voilà. Vous avez vu ça? C'est magique, non? Non. Ici, il n'y a pas de cyprinodon. Ils sont un peu plus haut. Ils vivent près du substrat, donc. On les trouve avec les gambusiens. Hein. On voit, ça grouille. Il y a des alevins, des femelles. On va prendre des photos ce soir. Là, je suis un peu pressé parce que je suis Victor qui m'accompagne. Qui vient du